Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, je fais régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de votre habitat. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes avec Yves, chez qui nous avons réalisé un chantier. Je vais vous réexpliquer pourquoi on met en place ces petites vidéos qu'on a appelées la rubrique « Nos clients ont la parole ». Alors, le pourquoi, c'est très simple. On s'est aperçu que de façon régulière, les avis Google étaient souvent tronqués par des sociétés de communication qui étaient payées. Et on a préféré nous mettre en place des avis clients, qui sont des vrais avis clients, Tout à avec fait. Yves. On lui a demandé effectivement de participer à une petite interview qui va durer 2-3 minutes, vous présentant comment on s'est rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé, et puis la petite note finale que nous donnera Yves. Donc Yves, on s'est rencontrés, nous, à votre domicile, par le biais d'un chantier. Donc, Juste à côté, chez la voisine. voilà. Donc j'ai vu le travail et comme moi mon toit était dans le même état que celui de la Ouais. voisine. J'ai dit, à la limite, pourquoi pas? Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé une carte. Une carte. Une Donc vous carte. nous avez appelé. Je crois que la secrétaire a dû vous Tout rappeler pour prendre très rendez-vous. vite, très vite en plus. J'ai pas attendu bien Une longtemps. visite. Donc quand on se rencontre, il s'avère qu'en plus, je crois qu'il y avait pluie et qu'il y avait une fuite. Alors, en plus, oui, on a eu même un dégât des eaux parce qu'il y a une tuile qui était cassée. Donc, vous l'avez changé de De suite. suite. Moi, déjà, j'étais hors eau. Exactement. Voilà. Et après, vous m'avez expliqué exactement ce que vous alliez faire. Ouais. Avec démonstration du produit que vous passiez et tout, j'ai bien tout compris. Et là, vous m'avez envoyé Un le devis. devis, donc on a Voilà. eu un devis. Donc après la partie donc visite technique, on vous fait un devis, vous l'acceptez Voilà, et le tac. chantier arrive. Oui. Donc le chantier, souvent la question que peuvent régulièrement nous poser, il y en aura plusieurs. Alors chez vous en plus, on est sur une habitation qui est un peu atypique parce qu'il y a beaucoup de végétation. Donc la première, est-ce que les produits qu'on utilise ont abîmé votre végétation? Alors, pour l'instant, non, pas trop, juste un peu défoliant, mais j'avais protégé toutes les Toutes les plantes qui plantations étaient à risque, qui étaient à risque près du d'accord? mur, que je ne pouvais pas Mais bouger. sur le restant, C'est le restant, non, c'est en parfait ça n'a pas état. volé Donc ça, partout. c'est une question Voilà. qui est souvent posée. Deuxième des choses, pas de karcher, pas de chlore, pas de soude, pas de potasse. Non, parce que j'ai Ça pas s'est trop. passé Non. comme on l'avait Non, non, dit. il y a. Donc le chantier, clairement, vous regarderez les images en avant-après. Il y a même un time-lapse qui a été fait cette semaine. On va clôturer par la note. Donc à savoir que 1 étant une mauvaise note et que 10 étant une très bonne note, combien vous noteriez notre entreprise? Pour faire sérieux, j'ai envie de mettre 10, mais bon, je vais vous mettre 9. C'est gentil. Comme ça, ouais, C'est on va dire gentil. qu'on m'a poussé Très bien. la main, quoi. On vous Voilà. remercie pour cette petite interview. Je vous rappelle que nous sommes sur donc les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok. Je vous invite, si toutefois vous voulez voir un petit peu tout ce qu'on a amené à faire, allez visiter ces pages-là. Si ça vous plaît, vous partagez, vous likez. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie encore pour les multiples partages qui peuvent être faits. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci Yves. À bientôt. Merci à vous.